Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, on est sur un épisode spécial, donc sur une enquête, donc sur un fameux château. Donc, je suis accompagné de Florian Bonjour à toutes et à tous. Et de Huguette, donc qui risque de nous livrer les clés. Bonjour. Donc, de toute façon, vous êtes... Je suis la propriétaire du château de Fougeray. Vous avez oublié de préciser. Ah oui, c'est vrai. Donc, attendez, juste une petite parenthèse. J'ai essayé, mais quand même. Hein. Oui, mais bon, madame, juste une petite parenthèse. Gusdix est venu juste avant nous, là, je crois. C'est tout à fait ça. Gusdix est bienvenu avant vous. Mais il n'est pas là pour le moment. J'ai essayé d'appeler pour qu'il vienne avec vous, mais il n'est pas là. D'accord, parce que juste avant, apparemment, il était venu. C'était pour avoir la confirmation. Eh oui. Donc voilà. Donc on va peut-être y aller. Vous pouvez nous donner les clés, madame Huguette. Oui, oui, d'accord, je vous les donne tout de suite. Alors, j'ai les clés dans ma poche. J'ai perdu la boule. Que j'ai... Je vous les donne à vous les clés, hein, monsieur Florian. Oui, pas de souci, madame. Et loulou, la clé. C'est bon, j'ai la clé, on peut y aller. Dites-moi, madame Huguette, vu comme ça, qu'est-ce qu'il y a dans ce château? Enfin, est-ce qu'on aura à faire beaucoup? Parce qu'on n'a pas notre spirit... Enfin, notre... What? Madame Huguette, on n'a pas notre matériel de radio, donc est-ce que vous savez si on pourra, si on aura la chance de rencontrer quelque chose? Je crois que oui, un petit peu, ouais, je pense. Pas forcément des voix, mais je sais pas, des trucs qui bougent tout seul. Ou... je sais pas. Moi, je suis juste venu de l'extérieur, ce château. J'ai dit à mon mari de ne pas l'acheter parce qu'il me faisait peur. Donc il l'achetait quand même, du coup je n'y vais presque jamais. Donc je sais pas ce qu'on peut découvrir là-dedans. Et je ne rentrerai jamais dans ce château. Une donc, question, là. Vous rénovez juste avec la façade et le jardin? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Okay, on peut y aller si vous voulez, on peut marcher. Ok, d'accord. Donc l'intérieur, en fait, vous ne le rénovez pas? Peut-être pas encore, peut-être oui, un jour ou l'autre, on ne sait pas encore. Donc on a rénové juste le jardin pour l'instant, peut-être remettre des vitres neuves. On ne sait pas trop, on va dire ça comme ça. Voilà. D'accord. Je cherche un petit peu. D'accord. Bon, ben, on va vous laisser, madame Huguette, et on va faire notre enquête donc sur ce d'accord, pas de soucis, premier donc, épisode donc, de chasseur. Je vais aller me mettre dans un coin. Je vais me rafraîchir dans la piscine. Tiens. Rafraîchir dans une piscine. C'est d'accord, une rivière, vous restez ici, madame Huguette. Oui, pas de soucis. C'est pas une piscine, madame Huguette, c'est une rivière. Oh, c'est pas grave, c'est la même chose. Hein. D'accord. D'accord. Vraiment, Alzheimer, elle. J'ai la clé. Ok, donc voilà, nous allons entrer dans ce fameux château de Fougeray. Je me prends les portes, moi, ça va le faire. Alors déjà, dès qu'on rentre, on voit de suite qu'est-ce que c'est. Je crois que j'ai décoincé, moi. On voit que c'est vieux depuis des années. Bah, tu pues. C'est toi qui pue ou c'est la maison qui pue? Ah, c'est la maison, je pense. Ah, je crois que c'était toi. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez bien, juste à droite là, à l'instant, vous allez voir apparaître quelque chose. C'est qu'on nous regarde, moi. Mais rien qu'en étant entré. Ah, tu me donnes la chair de poule. Attends. Arrête, j'ai froid. Essayer. Bah, saute. On va casser ça. Bah, c'est une toile d'araignée, on s'en fout. Bon, déjà, c'est très poussiéreux, hein. On peut voir qu'ils avaient vraiment raison. Donc, je savais que Gus Dix est venu juste avant, donc il a récolté beaucoup de preuves. Attends, il y a quoi dans les coffres? Vas-y, regarde. Je sais pas, attends, regarde toi si tu veux. Donc, Gus Dix est venu juste avant. Y a rien. Y'a vraiment rien de chien? Non, rien, y'a un établi. Je sais pas qu'est-ce que c'est à côté. Donc, là, je pense que ça devrait être une chambre. Bon, vous pouvez voir la nature, elle est complètement rentrée dans, les vitesses sont explosées. Oula, regarde pas ton bouffe, ça me fait la chair de poule. Qu'est-ce que vous faites là, Huguette? Qu'est-ce que vous faites là, Huguette? Vous nous avez fait peur. J'ai fait tout seul, j'ai pas envie de venir et mon mari me faisait peur, du coup j'ai voulu venir avec vous. Au con, vous m'avez fait peur, madame. Ouais, Huguette. Putain, j'ai cru que c'était un fantôme. Non, ouais, donc ça me fait un peu la chair de poule, du coup je retourne dans ma piscine. Enfin, la piscine. Putain, l'eau, je rentrais par où, moi? Par là-bas. Je retourne dans ma piscine. Au revoir, madame. Ça fait peur, madame. Vous avez fait peur, là, je crois que j'ai eu peur. C'est pas bleu, hein. Ouais, donc je vous disais, je crois que Gus Dix ça fait sa sens de Spirit Box juste au deuxième étage, ou au premier, là. Premier, je crois que si j'ai pas de conneries, premier, deuxième et sous-sol, non? Ouais. Il me semble. La cave, enfin, je sais pas si la cave elle est toujours ou si ça, on verra bien. En tout cas, il y a des informations dans nous, on peut pas faire un sens de Spirit Box. Non, au fait. Oui, on n'a pas le matos pour faire un sens de Spirit Box, donc on a juste la caméra. Oui, il nous disait qu'on avait pas de matos. Attends, bouge pas. Écoute. Attendez, on fait une petite pause pour remettre les batteries. 30 secondes. Bon, donc on était allé chercher les batteries, donc là on revient.
Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, enfin je sais pas si c'est dû à la caméra, enfin, je sais pas. On verra bien. Sûrement dû à personne. Tu peux commencer dans le château. Je vais voir si Madame Huguette est encore là. Ok, je vais dans le château. J'aimerais bien. Allez là, c'est bon. On descend ? Ouais. On descend. Bah, on n'a pas fait le dernier étage, non ? Si on est monté tout en haut, justement on descend. Attends, chut. Écoute. T'entends pas des pas ? Pas trop. Attends, y'a un truc. Ah là, je les entends, c'est bon. C'est en dessous, je crois. Au-dessus, oui, plutôt. C'est quoi ce bordel ? Je sais pas. Attends, moi je remonte pas là-haut, hein, je descends. Chut, attends. Oh, ça... Une voix. T'entends pas une voix ? Arrête, j'ai peur. Attends, descends. Y'a rien. Mais d'où elle vient ? Le claquement de porte, t'entends pas le claquement de porte? Oui, ça me fait peur, hein. Je sors de là. Oula, donc vous pouvez. Oh mon dieu, regarde, encore des os de squelette et tout. Oh, mais c'est pourri, mais. Là. Ah, oui. Mais c'est quoi cet endroit? Ouais, il y a un truc là derrière. Attends, j'ai peur. Quand je pense que Guzet est allé là-dedans. Je pense pas qu'il est venu ici parce que ça me dit putain, rien. Il y a une voix vue derrière moi à l'instant, là, vite. Oh, j'ai l'impression qu'on me suit là. Oh putain, attends. Il y a des squelettes, wesh. Putain. Attends, il y a un panneau couloir de la mort. D'accord. Attends, 30 secondes. Je crois que ma batterie bouge pas, ma batterie a un problème, je crois. Attends, 30 secondes. D'accord. Non, c'est bon en fait. Heureusement que. Enfin, il y a eu un petit disjonctement vite fait. Enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est. Putain, il y a des crânes noirs. Putain, mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a plein de crânes ici, sérieux? Je pourrais, il aime les crânes, le mec. à vous l'honneur. Je t'ouvre la porte depuis tout à l'heure. Vas-y, toi. Chuchote. Bonjour. Oh putain. C'est quoi ça? Entre. C'est quoi? Pourquoi tu es torturé, sûrement. C'est une prison, mon gars. Tortue ninja. Est-ce que Gustix il avait ça, mon gars, quand même? Non, je ne crois pas. Je crois pas qu'il est allé jusqu'ici, quand même. Non. Des trucs pour le sang, sûrement ça. Pour y mettre le sang là-dedans, je sais pas. Là, ça à mon avis, c'est pour descendre des trucs ici, ça devait. Ça c'est le truc de torture. C'est à quelle époque ça que tu penses c'était 1900 et quelques, je pense. Tiens, regarde le chaudron là. Enfin, le truc pour cramer les gens. Ah oui, encore le cendre au sol. La pierre cramée. Ouais, un petit peu de sang dessus. Tiens, c'est dommage, on a pas assez d'inspiration. Attends. Ouvre, merde. Attends, je crois que. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bruit, vite, ouvre. Je suis pas une espèce de craquement. Là. Pas trop entendu. Mais normal, t'étais derrière. Lol. Je me casse. Attends, y'a quoi là-dedans? Oh putain, les haches qu'il a, mon pote. Oh, vite, barre-toi. Dépêche-toi. Attends, tu m'as enfermé, bouffon. Merde. Attends, je reviens, toi. Casse-toi. On se barre. Pourquoi, attends? Barre-toi. Je suis bloqué. Arrête de toucher ces crânes là, tu veux choper un truc ou quoi? Je sais pas, ça ils me font peur dans les crânes. Putain, mon gars, Gustex, il a chaud là quand même. Je crois qu'il est jamais venu là-dedans en fait. Attends, moi je suis bloqué en bas. Mais je pense qu'il a dû passer devant quelque chose. Je suis bloqué dans les crânes. Toi, c'est moi, je suis là. Je pense qu'il a dû louper les orties, enfin, il n'y avait pas. Ouais, sûrement. Bon, en tout cas, on a entendu des trucs bizarres. Attends, remonte à l'étage parce qu'il y avait des pas à l'étage où on. Bah, attendez, je vais faire quoi? Toi, je suis perdu, moi. Attends, 30 secondes, mes batteries, putain. Encore? Putain, c'est pas possible, cette batterie qui disjoncte. Ouais. T'as quel étage, là? Premier. Enfin, rez-de-chaussée, plutôt. Bon, bah, l'étage pour voir, parce qu'il y a des pas. Je regarde de dehors. D'accord, je suis pris une plante. C'est génial. Putain, regarde, c'est pas une silhouette. Tu vois une silhouette? Ouais, là-haut, j'en ai vu une. T'en fais? Deuxième étage, à la fenêtre. Putain, gauche, droite. On voit pas. Moi je l'ai mis en tout cas. En bas, elle est passée en bas, elle est gauche. Ah ouais, c'est bon. Tu as vu? Ouais. C'est où là? Tu sais quoi? J'ai une idée. Bon, Dame Huguette, je vous rends votre clé. Vous démerdez. Et puis, moi je me casse. Hein. Moi aussi. Je retourne dans ma camionnette. Hein. Moi aussi, hein. on se barre des personnes. Oh, ciao les gens. Hein. Ciao. Ciao. Hein. On se barre dans notre camionnette, on s'en va. Conduit, hein. Ouais, je suis le pilote. Okay.